Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce vendredi 19 février 2021. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Et pour terminer la semaine, eh bien, j'ai pigé habitude de vie nocive. C'est une semaine qui remet vraiment en question tous les tirages de cette semaine, n'est-ce pas? Tu as actuellement peut-être des habitudes de vie, eh bien, qui ne sont pas bénéfiques pour ton corps physique et tes corps énergétiques. Et évidemment, cela perturbe ton taux vibratoire, n'est-ce pas? Et cela peut t'apporter des douleurs comme des maux physiques. Vous savez que votre santé physique dépend de votre santé mentale. On vous invite à prendre du recul par rapport à votre quotidien et par rapport à votre alimentation, par rapport à votre sommeil. Vos rituels de début et de fin de journée, si vous en faites. Alors, cela peut être au niveau de ton alimentation, n'est-ce pas, qui peut créer des carences ou un excès en toxines de ton hydratation ou encore de ta dépendance à certaines drogues. Ta dépendance, ça peut être à la nourriture, à la cigarette, à la drogue, à la boisson. Cela peut être en lien avec ton activité physique, mais aussi en lien avec des pensées qui ne sont pas bénéfiques pour ton taux énergétique. Il est vrai que si vous avez des pensées négatives, vous ne pouvez pas avoir un taux vibratoire très haut, n'est-ce pas? Alors, on vous invite à prendre des mesures pour effectuer, eh bien, des changements concernant vos habitudes de vie. Cela va te permettre de retrouver une forme physique et énergétique et de voir les choses d'une autre façon, d'une façon plus claire et beaucoup plus lumineuse. Ton corps physique est actuellement nourri par des habitudes de vie qui ne lui correspondent pas forcément, n'est-ce pas? Et cela te déconnecte aussi de ta force intérieure et spirituelle. Alors, prends soin de toi. Prends soin de toi et nourris-toi avec ce qui est le plus adapté pour toi et pour ton dynamisme. Vous pouvez lire en dessous plusieurs thérapies. Alors, on te dit bien que pour être dans une libération complète de tes énergies, tu vas devoir utiliser plusieurs thérapies énergétiques. Une seule ne va pas être efficace pour que tu sois dans une véritable transformation énergétique. Et vous voyez, ces différentes thérapies, eh bien, cela va vous permettre de comprendre le sens de votre vécu. Et cela va vous apporter les
des clés différentes et complémentaires pour être dans une nouvelle énergie de création. Cela va vous permettre d'être dans un travail global, n'est-ce pas? Et ouvrir de très très nombreuses portes en vous. Ça sera une vraie prise de conscience qui sera là. Et tu vas surtout te reconnecter, eh bien, tout simplement avec ta motivation. Parce que ta motivation, elle est là. Et tu reconnecteras aussi ton dynamisme. Eh bien voilà, on termine la semaine. En tous les cas, pour moi, je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour vos chaleureux messages, votre bienveillance. Cela me fait chaud au cœur en tous les cas. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse et d'ici là, prenez soin de vous dans la douceur de ceux que vous aimez et de ceux qui vous entourent. À tout bientôt.